Hello les amis, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 3. Donc moi je vais te commencer tout de suite et voir où Jill et Nemesis en sont. Allez, on y va. Bon, à l'ouverture j'ai dit où en sont Nemesis et Jill, mais en fait Jill elle est à moitié morte. Nemesis on sait pas où ce qu'il est, donc on est avec Carlos, voilà. Donc on va voir où est-ce que l'on est avec Carlos, bien sûr. Allez, c'est parti. Je dois faire quoi, alors? Wow, comme t'en es nerveux. L'enregistreur. Ok, je dois aller en bas. Je dois pas aller en bas. Je devais aller quelque part ici. C'est possible? Non. Comme vous pouvez voir, j'ai foutu le bordel. J'ai explosé des gens. J'ai fait gicler du sang partout. C'est un peu dégoûtant, mais c'est l'histoire. Alors, par là, il n'y a rien. Ah oui, le coffre. Voilà, c'est ça que je veux faire. Wow. Merde, non, non, non. Mais je le savais. Allez, allez, recharge, recharge. Voilà. Allez, crève. Par contre, ça va m'énerver, hein. Bon. Pas que ça à faire, moi. Bon. C'était 9. On va quand même regarder. 9 dans le sens d'une aiguille, donc 9 comme ça, et 3 à l'inverse, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Tiens, mange. Ouh, chargeur double. Combiné. Donc maintenant je peux aller en bas. Enfin. Alors, on va aller en bas. Buanderie. Au contraire, je vais aller à la buanderie. Je vais chercher les choses que j'ai pas su prendre ici. Et j'avais quelque chose à prendre. La plante. Est-ce que je peux la... Non. Et autre chose. Mais là c'est pour Jill en fait, c'est pour moi. Ok, c'est parti. On va en bas. On va aller chercher. Allez, hein, dépêche-toi. Ok, hein. Pas que ça à faire les gars. Pas que ça à faire. Je dois aller... Par là, ok. C'est par là. Et encore par là. Et là, je peux mettre... Wow. Bon, tu la prends. C'est toujours bon d'en avoir. Alors. C'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Rien qui vous parlait. Je suis Nathaniel Barthes, bon sang. Oh, enfin. Le meilleur biologiste. Bonsoir. Y a quelqu'un? Ça, c'est bon. It's good. Comme on dit chez moi, it's a goody goodies. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh oh. Il est mort. Bard est mort. Il a été abattu. Merde. Et le vaccin? Je cherche. Ouais, bah trouve. Il doit y avoir un ordinateur, non? Oui, mais c'est... tu te tais. Il
merde. Je vais faire comment à sauver Jill maintenant? Un ordinateur. Un ordinateur. Il est là, ok. Email de Nathaniel Brard. Réponds immédiatement. Ok. J'ai nanani nanana. Ici le chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Un tout petit peu, oui. Peut-être. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau. Et le reste est stocké sous terre. Sous terre où? Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Oh oh. On n'a pas vu qui l'a tué, mais bon, je pense savoir ce qui l'a tué. Ce mon nom, it's Stan Starbite. Elle m'a quand même fait confiance. Celui qui parle à l'anglaise. Wow. Ah, quand même. Le vaccin est ici. Oh oh. Ouh, maintenant que ça va partir en sucette ici. Tenez-vous prêt parce que ça va barder. J'ai joué. Je te rejoins. Sois prudent. Prudent? Non mais t'as vu l'état de la ville? Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. Ok, tu m'étonnes. Donc moi je dois aller là. Ici, donc je dois foncer comme un malade. Tout droit. Voilà, voilà, ça commence. C'est bon. Wow. J'ai des frissons. Faut foncer, faut aider Jill. Faut aider Jill. Allez. Allez, my Jill. My Jilly Jilly. J'espère que ça va marcher. Ooh. Allez, ça a intérêt à marcher. J'espère. Bah oui que ça va marcher. C'est impossible que ça marche pas. Hein. Tu Jill. Toutes mes complimentations. Hein. Wow. Putain. T'as rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alerte à tous les citoyens. L'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable. Le 1er octobre, Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça, l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je ferais mieux de m'équiper. Oh oh. Ils ont l'air sacrés. Qu'est-ce que ça va partir en sucette?
Si je me trompe pas ici, ça va être la guerre. Ça va être la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moyen de point d'entrée, je sais. Comment tu comptes t'y prendre? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Ils vont tout casser, ils vont tout casser. Ils vont tout casser, tout casser. Ah bon, avant tout, je me mets là. Premier. Deuxième. Ça pète en fait. Putain, ils pètent comme des bombes. Et quoi, ils meurent pas? Je le mets où? Eh merde! Je dois faire exploser quelque chose? Je me souviens plus. On n'est pas dans la merde! Où ça? Qui est déjoncteur? Wow! Non! Mais qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? Allez, tire-toi! Je l'ai eu. Non, ça, non, j'ai... ça me sert pas, ça. Carlos, la porte est en train de céder. Désolé si je parle pas beaucoup, mais waouh, je suis bon. Allez. Arrêtez-toi de faire chier les gens.
Et bordel de merde. Mais il y a quelques coups de pointe. Tu m'énerves toi. Wow. Bon ça y est, il fait quoi lui? Je l'ai allumé, non? Ok. J'ai plus qu'à faire le tour. Oh oh. Non, 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 non. J'ai pas réussi. C'est pas possible. Bon ben je suis mort et enfin j'ai pas réussi à protéger tout le monde et j'ai dû recommencer. Allez, c'est reparti. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moyen de point d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes y prendre? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Toi aussi, dépêche-toi un peu. Hein. C'est chaud. Hein. Allez, sont où les autres? Allez. Ça va, on gère.
Wow, 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 wow. Oh, c'est cool. Ok, ça va. Je peux pas les tuer avant. Obligé à les faire venir jusque moi. Allez. Allez, t'approche pas de la porte parce que là je sais bien que toi, c'est celle qui t'approche de la porte à chaque fois. Waouh, 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 waouh. Toi, tu restes tout ce que t'es, mec. Allez. Oh oh. C'est pas vrai. Allez, sors. Sors. J'en ai marre de cette mission. Bordel. Ça y est presque. Ouais, tu dis toujours la même chose, c'est aérien. Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud, c'est chaud. Allez. Encore. On fait quoi là? Allez, pète. Oh oh. Waouh.
connu mieux. Mais au moins, c'est fini. J'arrive. Wow. C'était chaud. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part ? Peu, ouais. Et tu vas faire quoi ? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'ils jouent au con. Jill va se réveiller. Enfin. T'es de nouveau parmi nous. Là, on peut dire enfin. Jill, il se passe quoi avec Nemesis ? Jill. Oh. Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Wow. Je suis où là ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh. Oh. Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Wow. Vous ne survivrez pas si vous restez. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je répète, non. Évacuez immédiatement. Ça va tout exploser, comme ça au moins on est tranquille. Mais c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, 1er octobre, minuit 3, hôpital Memorial Spencer. Avec ça, moi je dirais de que je peux terminer l'épisode. J'espère que vous avez aimé. Mettez un like, abonnez-vous, venez voir ma chaîne, venez voir mes réseaux sociaux. Ça évolue tout doucement, de mieux en mieux. Donc, moi je peux vous remercier. Ceux qui viennent et ceux qui s'abonnent et ceux qui viennent seulement voir mes vidéos. Un grand merci. Allez, ciao ciao, à la prochaine.